Mais j'étais encore dans ton live, moi, je parlais encore aux abos. Quoi? Oh. Je sais pas, moi ça marchait pas, bref. Gros, j'étais encore dans ton live, moi. Oui, mais moi ça marchait plus. Ça bug encore. Hein. Non, ils ont dit, toi, ça freeze. Yo, 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 ça va ou pas, les refs? Ah, mais frérot, tu bugs encore. Comment je bug? Tu m'entends bien? Tu bugs encore. Tu m'entends bien ou pas? Non, non. Est-ce que vous m'entendez, les refs? J'ai bug et ton son, il bug. Vous m'entendez bien ou pas, les refs? Oui. Eh, y'a que lui, il bug! Oh non, y'a que lui, il bug! Ça se voit, il est chez SFR. Bon, on en parle, Nancy? SFR! Les refs, oh non, maintenant c'est lui qui bug. Si vous vous arrivez à m'entendre. 3 jours! Toute collection! Si vous vous arrivez à m'entendre, wesh. Si vous vous arrivez à m'entendre, ça veut dire que c'est lui le problème. Oui, ouais, les gars, hey, il a encore freeze. Les gars, il a relancé un live, il a encore freeze. Eh, oh non, je crois qu'il y a un problème. Pourquoi t'as une cagoule? Parce que je cache ma tête, mon ref. Je suis désolé, les gars. Mais c'est un ouf, lui. Mais c'est lui, le problème. Attendez. Je le supprime. Attendez, les refs. Là, et j'entends eux, t'es trop cool et gentil. Merci, Malika. Pourquoi ce matin, quand je voulais rejoindre ton groupe, tu voulais pas? Ce matin, j'ai même pas joué au jeu. Non, c'est bon, Imizi. C'est bon. Ouais, tu m'as viré, fils de pute. Ouais, oui, parce que tu buguais. Ça frise encore, là. Vous avez vu? Ah, c'est bon. Ah, voilà. T'as école démo ou pas? Ouais, malheureusement, je vais grade une journée. Non, non. Mais je te jure, je te vois bug toi. Hein. Mais oui, mais c'est moi, je vois aucun truc bugué. C'est ta connexion le problème. Tu vas pas me dire, c'est moi qui bug, là, c'est toi qui bug. Bon. Frère. Noxy, je vous jure qu'il a une code. Frérot. Non, mon daron fumeur, si tu restes actif, je pense pas. Ah ouais, Enzo? Bah attends, je verrai après. Force mec, à moi. Tu bugs. Mais frérot, c'est toi qui bug. Oh, Yarox, tu bugs. Hein. Bah, attendez, je l'efface, je le réinvite, les refs. Je l'efface, je le réinvite. Et Noxy, frérot, il est galéresque. Hein. Voilà, merci, on est d'accord que c'est lui qui bug. Ah, le frérot, il filme avec un kiddy zoom. Ah ouais, mon ref. Kiddy zoom duo, mon ref. Kiddy zoom. Alors, c'est une kiddy zoom, non, là. Yarox, il filme avec quoi? Avec mon tel. Imagine, il fait exprès. Non, je pensais qu'il fait exprès. Il aurait dit déjà. Au nom de Dieu, regardez. Je vous jure que maintenant, ça n'a pas été scénarisé ou un truc comme ça. Je crois en fait, c'est mon micro. Je crois que mon micro, il s'est activé. Et genre, il y a eu ça. T'as quoi comme tel? Un iPhone? Ouais, c'est bon? Ouais. C'est bon. Ton maillot est incroyable. Merci, bon, merci. Non, je te vois. Ah bah oui, bah, c'est logique. Regardez là. C'est toi qui bug. Tu devrais pas arrêter ton live, toi. Comment ça, Ahmed?
J'ai dit, je viens du futur. Ah ouais. Non, c'est une blague. Ok, mais c'est toi qui bug. Ton fauteuil, il motive, il faut faire un avec un râteau. Hey, ils sont grave gaze. Il est nu, mon siège. Hey, non, je vois le russe là qui déchire la canette. Et lui, il me fait grave chier. Attends, je vais essayer de faire pareil. Mon sel est dans la bouche. Oh. Ouf, c'est 9,350. En fait, je ne force pas parce que j'ai peur que ça éclate. Mais c'est le but. Mais il est où, fou? Mais il est où? Mais sinon, je vais en mettre partout, sinon. Mais c'est le but. Oh non, je le fais facile. Fait. En fait, hey, c'est surcoté. Fais. Attends, je finis ma bouteille. Ok, même 6. Donc si tu me donnes soif, ça au calme, je vois pas, j'ai envie de la dégommer là. Frérot, hey, les autres là, toute la journée, les... t'as la haine, moi je vais bouffer. Hey. Oh. Il est malade, ou quoi? Tout à l'heure, j'ai mangé un poulet. Mmh. Vous voyez Inox là quand il était en montagne, il faisait oh le poulet, j'ai joué aussi. D'ailleurs, je t'ai envoyé des snaps. Ouais. Yo, désolé, je suis nouveau. Pourquoi t'as une cagoule? Tu braques une banque? Attends, j'ai fini, regarde. Eh les meufs, j'ai pas mis juste pour montrer ma tête. C'est pas pour montrer ma tête, mais bientôt je la montre. C'est ça mon idée. Allez, on plaçait un verre du fight contre le mec. Genre mettre deux rangs en mur. J'ai pas bien compris, mais merci. Comment je peux la déchirer? C'est moi, elle est déjà morte. Non, il se met. Je la déchire par où? Oh! Je vais la déchirer. Demande-lui la marque de Fontel parce que là, c'est grave la qualité. T'es marre. Mais c'est trop des bâtards. Yo, Izan. Hé, les refs, je lui ai dit, il m'a dit non, Samsung, c'est bien la qualité. Ah, t'es dégueulasse. Arrête, frérot. Non, hey, tu filmes avec les côtés face ou le côté arrière de ton téléphone? Mouton, au moins, je sais pas. Le rire gothesque, merci. Oh. Ouais, j'écoute. Tu filmes avec le côté face ou arrière? Face. Ah, comment je fais pour te voir, trop du cul? Bah, parce que je vois que t'as un écran à côté. Alors lui, il est con, lui. Alors lui, je lui décerne l'Oscar du mec le plus con que j'ai jamais vu. Mais il est où le rapport? D'accord, il est. Mais je filme avec mon tel. Ça veut dire que je vois avec mon tel. Mais filme ton pote. Ouais! Vous appuyez vers là. Vous appuyez vers... Bah non, du coup. Vous appuyez en bas à droite. Ouais. Et voilà. Non, faut faire. Hey, les gars, tapotez, les gars. Tapotez, on ouvre une box après. Tapotez, les gars, tapotez. Hey, on dirait pas un monstre dans Stranger Things. Tu viens de dire que j'ai la tête d'un monstre, sale bâtard. Mais non, là, ça va, il y a la cagoule. On veut pas s'entendre. Hein. Moi, ce qui me disait, c'est la Sophia Rox. Ouais, bah, du coup, c'est. Bah, il est dégueulasse. Demain, frérot, c'est dégueulasse, hein, mon ref, mais bon. De quoi? Quand tu rôtes, frérot, de toi. J'ai pas rôté, là. Si. Moi, j'ai pas rôté. Ça va, t'as Furby? Attends, Furby, on dirait que je le connais. Yo, Ayate. Wesh, Ayate, tu dates? Non, Ismet. C'est quoi que t'as fait, frère? J'ai rien fait. Maintenant, on va jouer ensemble. Oh, oh, les souvenirs! T'as vu ça? C'est ça quand j'ai? Vas-y, fais! Non, moi, il y a un son, mais frère, il est pété. Ouais, mais allez, me le live en attendant, connard. Ah, j'ai niqué. T'es trompé, bah! Va! Attends! Pas encore Trace! Vas-y, ouais, Trace, de retour! Trace, t'inquiète pas, là, je vais tryhard là! Je vais tryhard!
Vas-y, vas-y. Les gars font croire en lui. Anime la life, fils de pute. Ok. Ok, d'accord, Noxis. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Bah. Yo, 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 Daron. Il a un des premiers Samsung, j'ai juré. Wesh, on est où? Enlève ta cagoule, frère. Tu sais, tu te souviens de moi, en fait. C'est que la dernière fois, j'ai cassé mon tel. Et du coup, là, je suis en train de téléphoner avec ma mère. Pas même pris mon ref, mais vas-y. Merci, merci à Younes d'être venu s'abonner sur la chaîne. Oh, trop chaud. Oh, je suis trop chou. Ok, Noxy, c'est bravo. Justine, tu parades. Alors, Youssef, c'est le meilleur. Il écrit I. Genre, il écrit I. Genre, vraiment. Il fait ça. Yo, Shana, comment tu vas? J'aime comme par ton bigot. Trop chaud. Ouais, voilà, je suis trop chaud. Ça va les gens, ça va tranquille, Shana. Bon, viens, on parle quand même, donc si c'est bon. Attends, t'as pas perdu. Est-ce que frère, enlève ta cagoule, tu dois avoir chaud. Bref, je m'en fous. Est-ce que tu veux Roblox? Je joue pas Roblox si j'ai pas chaud. Pourquoi j'ai un mec en mode calage criminel devant moi? Y'a un problème avec ma cagoule ou pas? Calage. Yes, non. Ton clavier, il fait ta taille. Y'a, attendez. Quoi? Quoi? Eh, hey, tu peux montrer le mode où il y a marqué porno sur ton attends. Non, t'inquiète, il n'y a rien avec ta cagoule. Ouais, ben, c'était sûr. Guetter, c'est lesquelles lettres? Guetter, c'est lesquelles lettres? Celles que j'ai sélectionnées. Eh, mec, on a le nouveau LED ou quoi? Mais on peut pas faire à plusieurs. T'es con ou quoi? Moi, j'allume mes LED. Ah non, moi, flemme, mes LED. Oh, je me suis coupé en cassant la bouteille. Il ne pourra pas montrer sa tête. Ça pourrait lui nuire. Non, mais bientôt, je vais la montrer. Bah les gars, vous savez moi, si vous voulez, je peux vous montrer ça tout de suite, j'ai une photo à côté. Yo Elias, le pseudo, comment ça le nom? D'ailleurs, il faut que quelqu'un abonné avant les 1940. Pour le chocolat ou chocolatine? Pour le chocolat, arrêtez. Pas une chocolat. Salut, fils d'Arad, c'est quand le duo? Bah. Elle est rough. Les refs, ça demande beaucoup trop de faire un duo avec Arad, vous m'énervez. Eh, vraiment. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Venez sur Insta, comme ça, vous rajoutez mon nombre d'abonnés. Comme ça, après, je suis un petit peu plus crédible. Et comme ça, après, je DM Arad et je lui dis, viens, on fait un feat. C'est bon, il pense déjà faire des feats alors qu'il a 2K, frère. Et alors, il y a un problème avec ça? Non, pas de problème. On est en train de faire quoi, là? Hein? C'est pas un feat, tous les deux. Quoi? C'est un featuring. Abonnement. Merci. Yo, Yasmine. T'as intérêt, est-ce que je te jure, je regarde plus tes vidéos si tu n'as pas tout de suite, je quitte cette vidéo. Quoi? Bah, au revoir. Quoi? Non, désolé, Marie. Les gars, je suis encore abonné avant les 1940. Les gars, regardez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez me dire, c'est un kiddy zone. C'est la GoPro 4. Hero 4, Hero. C'est avec ça que je mets une vidéo. Non, il attend de moi. Là, après, il va venir, il va me dire, ferme ta gueule un peu, aussi. Ouais, laisse-moi parler. Je m'appelle trop gentil. Merci, c'est avec... Les refs, 1940 à vous, vous êtes les boss. Je compte sur toi. Est-ce que tu peux mettre une musique derrière? Oui, on attend. Ça va. Non. Merci Emma. C'est un peu stylé. Tu peux
Tu peux mettre électro swing, swing, s'il te plaît. Si tu sais faire électro swing, je le fais. Fais-le pas que tu vas être gênant. Ouais, mais mets la musique d'électro swing, je la fais. Non. Allez. Non, veux pas, encore plus. Au nom maintenant, tu le fais sur le live. Tu le fais au nom sur le du live. Pas pareil, c'est pas électro swing. C'est bon, j'arrête. C'est comment mon rêve? Eh, on va voir si t'as la ref, Yarox. Yarox. Céline, je l'enlève quand j'aurai assez de questions sur mon Insta. On va voir si t'as la ref. Alors, oulé. Arrête. Tu vois la grosse là. Arrêtez de clipper là. Tu vois la grosse là. Ouais, viens, elle se met. Et après, on met le bouliste. Il vient le boule. Ah ouais, je connais la vidéo. En vrai, elle est marrante. Bon bah, passe une bonne nuit, je vais dormir. Ciao, ciao. Vous êtes aussi sur TikTok? Ouais, dans ma bio. Dans ma bio, il y a mon TikTok. Il joue quoi, lui? J'espère qu'il y a sa mère à rentrer dans sa chambre. Hey, Yarox. Non, mais Yed, je ne peux pas. Genre, c'est pas moi qui ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Ouais, une seconde, mon ref. Salut, ça va, t'as Discord? J'ai Discord, mon ref, Noah. Tout est dans la bio. Tout est dans la bio de la chaîne, mes refs. Tout le monde s'abonne. Merci Emma. N'hésitez pas à vous abonner. On est 1141 sur la chaîne. Vous êtes les boss. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Il est aussi, donc si j'ai les 2K avant 23h, tu fais la danse alligato. Attends, je révise. Mais je la connais pas la danse. Mais je la connais pas la danse. C'est celle-là. Non. Hey, il y aura une chance. Yarox. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Merci Emma. Voilà, c'est un peu trop de lumière. 400 abos avant les 2K. Abonnez-vous. Non, les refs, pas 400 abos. On est à. Wesh. On est à 54 abonnés. Donc, comme vous pouvez voir sur ce graphique, petit fessier des familles. Yo, Kat. Yo, Sam. Salut, Lucie. Tu parades. Wesh, pas les fesses. Dans les fesses, et elle meurt. Et elle meurt. Je devrais peut-être aller m'asseoir, non? On me dit trop, frère, que je ressemble à Aval. Je devrais peut-être aller m'asseoir, non? Tu peux me dire c'est qui lui, c'est Noxis. Vas-y, ciao, ciao, Yasmine. Je réponds pas. Pourquoi tu réponds pas? Mais non, tu veux que je réponde quoi? Bah, oui ou non? W. Vas-y. Rien que pour ça, je vais faire un nouveau contenu sur ta chaîne. Bah ouais, bien. Bon, vous savez quoi, je vais même pas l'enlever du live, je regarde des. Je vais écouter ce qu'il va dire. Ah non, ok, c'est pas quelque chose. Attendez. T'es prêt? Vas-y. Attends, je me setup. Est-ce que c'est bon pour vous? Je me setup. Tu me menaces? Tu vas me frapper avec? Ça sent que t'as vu dans le 93. Est-ce que tu vas me frapper avec? Ah, t'es sûr? On n'a même pas accordé. T'es avec sûr? Ça, t'es sûr? Attention! Tu cours toi maintenant! Mathis! Get, s'il te plaît! Get! C'est le pied de mon bureau! Attention! Ouais, normalement, je l'ai vu. Attention à toi!
sur mon pied de bureau, guettez. Guettez les refs. C'est la pied de mon bureau. Cassos. Ah, j'ai jamais dit que j'étais pas un cassos. Tu vas détruire la cam. Non. Oh, j'allais tuer mon écran. Par contre. Attendez, je remets mon pied. Oui. J'avais oublié, c'était difficile. Ok, ok, mon daron. Oh, j'avais oublié que c'était difficile, attends. Bon, si vous voulez... Ah, vous allez me tuer. Qu'est-ce qu'il fout, le frère? Il y a un problème avec moi et mon pied de bureau ou quoi? Et l'autre là-bas, là, qui fait le con. Merci William Nugat d'être abonné, mon gars, ça va être super. Non, t'as toujours pas fait ce que je t'ai demandé. T'as dit quoi? Salut Henrik. T'as dit quoi, Noxis? J'entends rien du tout, le ref. Hey, il est loin. Hey, il doit me parler comme ça. Yo René, bah, hésite pas à regarder le live si tu le kiffes, t'abonner, mettre la petite cloche de notification et voilà. Yo Lisa, ouais. Quoi? Fais le poirier, j'ai dit. Je le fais aux 2000 abos, le poirier. La chaise de qualité, la chaise de nul. Les refs, les gars, d'ailleurs. Oh non, sa chaise est plus à sa mère. Elle est nulle, hein. Mais j'ai envie d'en acheter une nouvelle bientôt. Moi, ma chaise, elle part vraiment en cacahuète. Le ref, sa chaise, c'est une chaise massante, mais elle est plus la merde. Les massages, j'arrive, ils font ça. C'est fou. Oh non, les massages, tu les reçois. Les massages, genre, c'est comme ça. Genre, tu reçois les mêmes dans le dos. Ciao, les mains. Je n'utilise même pas le son massage. Il est grave yombe. Il est grave laine. Moi je suis pas moi. Ta chaise quand tu utilises les. M'en fous. Ta chaise. Moi ma chaise en tout cas elle est confortable. Ma chaise au moins elle est confortable. Frère, déjà c'est pas normal quand t'appuies sur ta chaise, c'était. Quoi? Ta chaise en bois là. Les gars, ta chaise elle. Salut. MN8. Yo MN. Yo Henry. C'est des Z. Yo le moineau. Quoi? Lui là. Genre ce trèfle. Qu'est-ce qu'elle est là? Cette trèfle là, je l'ai volé d'un TikToker. Je jure, il est trop marrant. Genre, il est capable de faire ça, frère. Quoi? En plein live, il est capable de faire ça. Bon, on a parlé de Bailen qui est monté sur son bureau. Bailen fait ça. Non, je le fais. Eh, moi, je suis solidaire. J'allais mourir. Oui. Mais attends, j'ai oublié, je faisais de ton poids. C'est quoi, ça, c'est un problème. Vas-y, bon, là, tu fais peur. Vas-y, ouais. Casse-toi. Voilà. Lucas. À 200 000 abonnés, on fait tapiner la daronne, Anoxis. Eh frère, frère, tu me respectes pas. Pourquoi quand je te parle, tu me réponds pas? Il a pas entendu. Si, j'ai entendu. J'ai dit quoi? T'as dit aux 200 000 likes, je crois, on peut être comme la mère Anoxis, un truc comme ça. Quoi? J'ai jamais dit ça. Eh, c'était la bonne époque les viewers, ils s'appelaient la daronne Anoxis. Quand il y avait un apôtre, il est venu, il s'appelait la daronne Anoxis et je lui ai niqué sa mère. Je t'ai niqué ta mère, en gros. Non, il s'appelait carrément le moustique Anoxis. Oh non, il y avait trop de trucs. Il y avait la sœur Anoxis, des boys comme us. Le cheval Anoxis, j'ai même pas de cheval. Lui, la phrase avec des emojis. Camion, sucette, danseuse. Eh les gars, on avait pas dit, on faisait des anecdotes là. Ouais, vas-y, anecdote, tu commences. Non, vas-y, Pierre Fusiso.
1, 2, 3, 4, 6. Vas-y, passe-toi. Vas-y, raconte. Attends, je cherche. Goûte, 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 commissaire. Oh non, attends, je crois que j'en ai pas. Une anecdote de cours. Une anecdote simple. De cours. Ouais, moi j'en ai une. Elle est pas for... attends, elle n'est pas forcément drôle, mais. En fait, on est dans un cours d'histoire. Et tu vois, moi j'avais un espèce de livre où il y avait des clashs dedans. Tu te souviens, ça c'est le livre Ta mère, je sais pas quoi. Et moi, je parle de ma mère. Pourquoi tu parles de ma mère? T'es ouf, toi? Ta gueule. Yo, t'as dit. Et tu vois, mon prof, il connaissait ce livre. Il me disait, ouais, vas-y, dis-moi un clash qu'il y a dedans. Je lui dis, tout ça, j'ai même vu c'est quoi le clash. Il me dit, oh, franchement, pour faire ça, Noxis, il a des couilles. Hein. Il a des grosses couilles. Le prof, il dit, c'est ça. Noxis, il a des grosses couilles. Merci, merci. Les gens, il faut plus que 5 abonnés avant les 1500. 1950. Ouais, du coup. Voilà, c'est tout. Allez, guess ton histoire. Je sais, mais je dis, j'en avais pas, tu me prenais pour nous. Attends, moi, j'en raconte une. En gros, on était en cours et j'étais en CE2, je crois. Ouais, j'étais en CE2. Et en CE2, les refs, j'avais un prof que je haïssais. Genre, mon prof, je le détestais. Un jour, genre, c'est pas... mon prof, il vient. Je vois, il est pas normal. Je vois, il est pas normal, le prof. Je me dis, vas-y, c'est okay, bizarre. Je casse que c'est Noxy, ça, frérot. Je me dis, c'est chelou un peu. C'est pas, je viens, on rentre dans la classe, parce qu'il m'avait dit ça avant, on était dans les vestiaires de... Enfin, tu te rappelles, avant, il y avait un endroit où on mettait nos manteaux, en primaire. Ouais. Eh, il est venu, je suis rentrée dans la classe, j'ai regardé ma table. Ma table, la case, elle était par terre. Elle était comme ça, la case. Et j'avais le seum. Il est venu. Et regardez, genre par terre, il y avait toutes mes affaires. Et sur ma table, il y avait une feuille. La feuille guettée. La feuille, elle était posée comme as. Il n'y avait rien d'autre. Je suis venue, j'ai fait ça. En fait, c'était une feuille jaune. Et les feuilles jaunes, là-bas, c'était les feuilles de punition. Il se passe quoi? Je vois sur la feuille, il y a écrit Monsieur Nanana est un gros enculé. Oh. Mais non, je me souviens, quand je venais d'emménager la première année... Je m'en bats les couilles. En gros, après, quand il s'est passé ça, en primaire, tu vois, quand tu mettais « est un grand enculé », tu pensais que t'étais un bandit, genre, t'étais v'là la racaille. Alors qu'en vrai, c'était pas une dinguerie. Mais il est venu, il m'a mis ça, après il est venu, il m'a fait « livrer de bord ». Il a fait livrer de bord dans ma tête, j'ai fait ça. Quoi? j'ai eu grave le seum. En gros, et le soir même, c'était le dernier épisode de la première saison de Flash. Et ça passait sur TF1. C'était tout le temps à 23h. Mon daron, il est venu, il m'a dit, Yarox, va dormir ce soir. Va dormir 21h. J'étais comme ça. Du coup, à cause de ce prof-là, j'ai pas pu regarder. Et depuis ça, bah, je lui ai encore plus foutu la misère. Bref, moi j'ai une autre anecdote. Tu vois, quand l'année où je venais d'emménager, on se parlait plus, on s'est presque pas parlé de l'année. Ouais. Donc on n'avait pas de téléphone et tout. J'ai fait des trucs que je n'avais pas parlé parce que c'était longtemps, tu vois. Genre, tu vois, moi, que les sixièmes, ils ont droit à des casiers. Tu vois, des casiers, tac, tac, comme au state. Tu vois. Mais genre, c'est pas comme au state, des longs casiers comme ça, c'est juste un petit carré de ça, tu vois. Et il y avait un pote à moi, il était grave skinny. Il était tout petit, hein, tout petit. Et on l'a dit. Il était grave court. On l'a dit, il était grave dans le casier. Attends, on l'a dit, chaud, tu rentres dans le casier. Il fait chaud. Il est rentré dedans. On a mis le cadenas. On leur dit, les gars. On entend la sonnerie, elle arrive. Oh non, c'est vrai. La sonnerie, elle arrive, et un surveillant, il rentre dans les casiers, il dit, bon, allez, faut y aller. Et nous, on ne faisait pas lui ouvrir pour dire, oh, on a fait une connerie. On s'est cassé, et juste avant de fermer, on entendait, oh, partez pas, je suis là. Et du coup, ils ont ouvert, et on se fait,
On s'est fait démarrer, mais moi, heureusement, j'ai esquivé la sentence. Non, cagoule meurtrier, tu peux pas. T'es un antagoniste. Oh, dis un peu mes cheveux. T'es un antagoniste. Non. Il est venu, il a laissé quelqu'un dans son casier, guetté. Le mec, il est passé de ça, genre voyant, à comme ça. Tu le voyais même plus. Tu le voyais plus, frérot. Frérot, tu sais, moi en CM2, je faisais des 1-20 avec mon prof. Attends, oh là c'est vrai, pardon. C'est là, wow, là c'est vrai. Non, on était en classe. Attends, reviens. Genre, frérot, on était en classe de neige. Et en revenant du ski, tu vois, mon prof il vient, il me dit, hey, arrêtez de faire les malins, je vous vois tout le temps vous battez. Hey, moi je vous mêler. On lui a dit, on était sur une colline parce que la maison familiale, elle était sur une colline. On lui a dit, bah, vas-y monsieur, venez, on se bat. Elle a dit, ok, vous venez chacun votre tour. Et si vous n'arrivez pas, on vous prend tous en même temps. Je vous prends tous en même temps. Vraiment. Du coup, il commence par mon pote et tout ça. Et après, moi j'arrive, je cours et je l'attrape comme ça. Et genre, je pensais que j'allais le plaquer, tu vois, dans la neige. Genre, j'arrive, je cours, je l'attrape comme ça. Lui, il me prend comme ça. Il m'attrape comme ça. Vraiment. Dans la neige. Il était debout, mais j'étais comme ça. Bon, vas-y, donne-moi le nom, le prénom de ton prof. Je fais un thread sur Twitter sur lui et on va essayer de le faire tomber, t'inquiète. Monsieur Johan Pasquale. Non, groupe de cadeaux, j'ai pas mis le nom encore. T'inquiète, mon ref. Après, on s'est mis à 4 sur 8, on lui a pris chacun une jambe. Il nous a quand même niqué. C'est dingue. T'es vraiment un antagoniste. Ouais, c'est ça, Nicolas. Nice, pourquoi il a mis Nice dans les comme Mohamed. Ciao, ouais, Moineau. Il y a un que je me suis coupé la main, si tu veux l'histoire. Bah, tu t'es coupé la main. T'as raconté ton anecdote où t'as fait te faire enlever. Les rêves. À chaque fois, il a raconté. Les gars, on a fait plein de bruit de vidéos comme ça, là, on raconte des anecdotes. Jamais il l'a publié. Mais celle-là, frérot, au nom, genre, j'ai la flemme de la raconter. Genre, pour moi, c'est j'avoue, en fait, c'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi je la raconte pas. Vas-y, raconte-la. Attendez, les mecs, je mets mon Insta dans les coms. Guettez, c'est ça, mon Insta. Eh, en les gros... Cette anecdote, je me suis pris 210€ d'amende. En gros, les refs, regardez. On était tranquille avec... on était tranquille et tout, on était en train de chill et tout chez moi, avec mes parents. Et après, c'est pas, ma mère elle vient, elle dit, je sais pas quoi, je dois aller au marché. Parce que c'était le jour de l'an. Moi je viens, je dis à ma mère, maman, t'inquiète, je peux y aller. Ma mère vient, elle me dit, t'es sûre? Et genre, j'étais déjà allée des dizaines de fois. Je dis, oui, t'inquiète, maman, je suis sûre. Je dis, vas-y, c'est bon, elle me donne un sac, déjà de 1. Je devais prendre 30 minutes pour aller au marché, j'en ai pris 2, j'ai pris 2 heures. Et après, c'est pas, je viens, je marche dans un endroit et tout, et t'as vu, dans une grande route. C'est pas, je viens, je marche tranquille et tout, je vois, il y a un camion à ma gauche, il ralentit un peu, je le regarde, je me dis, vas-y, peut-être qu'il veut déposer quelqu'un. Il se passe quoi? Je vois le camion, il vient me dire, petit. Je fais, wesh, il a quoi lui? Ça vient d'où? Non, même pas, il vient me dit petit. Je dis, ouais, il est où? C'est quoi son problème à lui? Je dis, ouais, monsieur, il y a quoi? Il vient me fait, viens, t'inquiète, vraiment. Regardez, il me fait pas, viens, t'inquiète. Il me fait ça avec les yeux, viens, t'inquiète. Et ce regard-là, j'ai regardé le prof, le mec. Après, il est venu, il a commencé à rigoler quand j'ai pas avancé vers lui. Il a mis boulette avec son camion. Genre, il était à 0, je crois, il montait à 50. T'as pas tout dit. T'avais dit, ouais, il avait dit, ouais, je connais, je sais pas qui a un prénom. Quoi? Genre, il avait fait semblant de connaître quelqu'un. Genre, il avait fait un truc, ouais, ça. Ouais, mais bon, il, après, c'est pas un truc de ouf. Genre, il a dit, ouais, je crois, t'es pas le fils à elle. La prévention. T'es pas le fils à elle. Je suis venu, je l'ai regardé, et genre, je savais que j'étais pas le fils à elle. Genre, j'étais persuadée au fond de moi, j'étais pas surprise. Merci, Yo, Mitch, t'es une fille ou un garçon? Ok,
Ok les gars, petite anecdote de Nirox que je connais, parce que j'étais là. C'est pas, il a des voisins, c'est des gros enculés. Il avait des coqs avant et ça lui a dit « Ouais, tes coqs cassent les couilles à gueuler tous les matins, tu les ou alors on appelle la police. » Et ben, on a fait un... et ben, le lendemain, on a fait un grand festin. T'es heureux Le lendemain, on a bien mangé. Il s'appelait Cocotte. Le lendemain, on a bien mangé. Il s'appelait Cocotte, sale bâtard. Non, mais au long, j'étais là quand on les a hébergés. Ils ont couru longtemps. C'est ton père, il l'a fait. C'est mon père, ouais. Attends, mais t'as pas fini l'histoire. En gros, regardez. Attends, ta gueule. On est allé chez notre. Vas-y, attends, je te mute. Attends, c'est bon. Pas. Voilà. Ouais, je bouge, il y a un problème. Arrête de mute. Démute. Non. Attends, en gros. Ferme ta bouche. Ah, bah voilà, c'est tu vois. Tu le vends combien tes lunettes? Je te les vends à 1000 euros. Non, bref. Ils nous ont dit, ouais, je sais pas quoi, votre coq qui fait du bruit, vous devez le tuer. On a dit, vas-y, y a pas de problème. D'accord, genre un coq, c'est vrai que ça fait du bruit. On le tue, on le mange et tout. Et après, une semaine après, ils viennent, ils disent quoi? Ils disent, le chien, je sais pas quoi, votre chien, elle aboie beaucoup, faut faire quelque chose. Ils ont pas dit ça à mon père. J'étais pas là. Ils ont dit ça à mon grand frère. Et mon grand frère, c'est son chien à lui. Ils lui ont dit ça. Il est venu, il a dit, bon, maintenant, si tu veux pas, c'est toi, je viens, je te bombe. Tu vas gonfler tellement fort que je vais te voir de chez moi. Ferme ta gueule et casse-toi. Après ton coq, il était très bon. Vas-y, au revoir. Attends, c'est bon. J'ai vu ma tante. Elle a pris ton coq, elle lui a rentré de l'ail dans le cul. Si tu me rajoutes dans le live, je te ferai une dédicace et je t'adore. Désolé mon ref, je suis pas t'ajouter dans le live. Yo Zouzou. Il y a un abonné avant les 1950. Ah ouais, mon ref, c'est un nerveux, je vois pas. Genre la dernière fois il m'a frappé, j'ai vomi. La dernière fois il l'a jeté par la fenêtre. T'es heureux de le dire? Ouais, la dernière fois il l'a gazé. La dernière fois pour une vidéo YouTube, il a fait manger un Oreo au dentifrice. Il a fait manger un Oreo au dentifrice. Il y a un problème avec mes cils. Parce que je sais que vous pourrez être mes cils, là. Lui, avec le casque, pas tout ça. Yo, Yanis. Comment ça va? Ça va avec toi, Jean-Luc? T'es bête, peut-être, hein. On pourra jouer ensemble plus tard. Peut-être, mon ref. Léo, plus qu'un abonné à Volumineux sur 50. Attends, je suis passé au combien d'abonnés là. Attends, sur ça. Ça va, toi, Yanis. T'es une fille ou un gars ou tu questions qui blesse MDR. T'as vu ça? Marseille, ici, c'est le beurre. Du coup, Noxie, c'est Insta? Ouais. C'est une abo qui demande. Tu veux, je te fais une date. Vas-y. Ah, t'as pas de Insta YouTube? Non. J'ai que un Discord, les gars. Merci, Anis. N'hésite pas à t'abonner, mon ref. Moi, ça fait pas un double live, genre un live sur toi, sur ta chaîne et un live sur ma chaîne. Je pense pas, on peut. Ah, c'est dommage. Je suis de retour pour nos jeux de mauvais. Okay, vas-y, les gars. Viens, on peut faire une anecdote. Vas-y. Il y a quelqu'un qui voulait à la guerre caca dur. Viens, fais ton anecdote, s'il te plaît. Attends, je réfléchis à une anecdote qui pourrait pas mal à raconter. Kenji, c'est plus mieux. Comment ça, Kenji, c'est plus mieux, frérot? En fait, ça aurait été intéressant de raconter une anecdote, on était tous les deux. Merci Jean-Luc. Ah bah moi j'en ai une. Vas-y, dis. Ok, au moins je la raconte. Ok, les gars, vous voyez, pour la vidéo la vidéo qu'il aurait dû publier. Alors pourquoi tu es malin?
Mec, si tu retires ta cagoule, je te fais des caisses sur ma chaîne et je te jure, tu vas dehors pour aller voir parce que je sais faire des montages. J'ai pas compris la cagoule, mais mon ref, merci. Ok, les gars, hey, il devait sortir une vidéo pour 8000 abonnés. Et du coup, pour ça, on est allé dans un endroit spécial, vous voyez, hein, un peu loin de chez lui, vu que j'étais vers chez lui. Et on a pris le bus, le tram et tout ça. À l'aller, ça va, on a fraudé tout. Ouais, c'est pas bien de frauder, les gars, on a fraudé. Okay. On arrive là-bas et bon, j'ai perdu son micro-cravate. Il était vert, hein. il était déprimé. Il était déprimé. Bon, je crois que le micro-cravate il coûtait 10 balles. Non, je fais, en fait, c'est pas ça. Ta gueule, laisse-moi parler. Frérot, je suis désolé. Le micro-cravate, 10 balles, c'est beaucoup. Frérot, je suis désolé. Bref, ensuite, on y va. On fraude le bus pour aller à la gare. On prend la gare, on rentre dans la gare, on fraude la gare encore. Hein. Et après, il y a les contrôleurs qui arrivent. Ils m'ont mis 210 balles. Voilà. Minuit, Shana. Ouais, ça va, toi, Guillaume? Yorg, comment ça, ça va? Comment ça, ça va? Ah, ok, oh, t'as vu, ça va, ah, ok. Oh, c'est énorme, 210. Ouais, et lui, toi, t'as rien eu. Moi, j'ai pas fraudé. Ma vie. Tu veux que je leur dise? Tu veux que je leur dise pourquoi t'as rien eu? Ta gueule. Moi j'en ai une, j'étais dehors, tout bien. Je te vois, je vois un chien, je demande pour voir le chien et il commence à monter sur moi. J'ai commencé à courir, il m'a couru et d'un coup il a dispawn. Oh, j'ai une anecdote sur un truc qui a dispawn. Ok, non, je sais quelle anecdote tu vas raconter. Attends, je vais te raconter la mienne qui s'est passée il y a quelques jours, elle est très rapide. Vu que je suis le ramadan, je sors dehors à l'heure du midi, comme ça au moins je peux aller sur mon télé et tout ça. Je rentre pour aller à mon établissement, tu vois, je passe le chemin. Et à côté de mon établissement scolaire, il y a un camp de gitans. Vraiment. Et quand je viens. Je sais celle que tu m'as racontée. C'est passé à dire, il y a une semaine. Et je tourne la tête, je vois, il y a un chien, il sort, il vient, il traverse toute la route, il vient là-bas. Bah vas-y, cagoule. Et moi je commence un peu à stresser. Pas parce qu'il me fait peur le chien, mais juste parce que frère, bref, il vient jusqu'à moi, à mes pieds, et vient, il fait des trucs comme ça là. Et quand j'avance, il court sur moi. Il aboie. Ouais, demain je l'aide normalement. Et du coup, je me dis, comment je me fais pour me débarrasser de lui? Parce que moi, il faut que je rentre là. Et à chaque fois que j'avance d'un pas, lui il en avance de deux. Et du coup, moi ce que je fais, c'est. Il part pas le but. Oh. Et je me dis, si je lui mets un petit coup, ça lui fait pas mal, il va m'attaquer du coup. Soit il part, soit je lui mets un gros coup sa mère, il tombe par terre. Tu as mis un gros coup. Il est parti. Hamdallah, il est parti. Et tu vois, mon ref, je vais te ban si tu continues à spam. Mon ref, depuis tout à l'heure, je suis gentil, je dis rien. Bon, la prochaine fois, t'es ban. Yo, Younes, il parle beaucoup, ton pote. Frère, c'est des anecdotes, heureusement. Ciao, Ekmel. Eh, les refs, en gros, regardez, j'ai une anecdote sur un truc qui a dispawn. Elle est longue, ton histoire. Ça fait grave peur. En gros, à 6h du matin, j'étais sortie, et c'est pas, je viens, je suis tranquille, je me posais tout quelque part, et après, je continue de marcher. Yo, Romain, ça va et toi? Je continue de marcher et tout. Il se passe quoi? Je viens, je marche, je vais à l'endroit et regardez, ça fait ça, guettez, ça fait tac, tac, ça fait comme ça. En gros, regardez, il y a un tournant et le tournant, il fait ça. Le mec, il était là, moi, j'étais là. Le mec, il avance, il fait ça. Et lui, genre, ça veut dire qu'il est là. Et moi, je suis là. Je viens, j'avance ici. De base, ça veut dire que le mec, il doit être là à peu près. Le mec, il a disponible. Alors que le mec, c'est impossible qu'il soit rentré quelque part, vous savez pourquoi? Parce que le mec, il était sorti d'un bâtiment à 6h du matin. C'est impossible. Le mec a disparu. J'ai rien compris au calme. Les gars, petite anecdote de l'époque où j'habitais près de chez lui encore. Alors en fait, les gars, il faut savoir un truc, c'est qu'avant mon père, il travaillait dans une espèce de bar, un truc comme ça, tu vois. Il était à son compte.
Et du coup, moi et Rox, souvent on se rejoignait là-bas, on rigolait, tout ça, il y avait une salle d'arcade et tout, c'était incroyable. Ouais, t'as Pépito. Et vous connaissez tous ce truc-là, genre, maintenant t'as ton père que je dorme chez toi, ou un truc comme ça. Et du coup, on se rejoint dehors, et je lui dis, et il me dit, va demander à ton père. Je dis, non, toi va demander à mon père, il va me tuer. Après, je dis, non, c'est toi qui vas y aller. Je dis, elle dit, ah! Et du coup, on commence à se taper. On commence à se taper, tout ça, tac, tac. Et après, il y a mon père. Je crois, en plus, c'était. Je crois que c'était le ramadan, non? Non, c'était C'était pas le pas pour ramadan. ça, c'était pas pour ça, on s'était tapé. C'était C'est quoi pas ça? pour ça, je me rappelle. En gros, on avait fait une partie de bière qui avait duré 1 heure, 1 heure et demie. Et cette partie de bière-là, elle nous avait tendu de fou furieux. On était petits, hein. Un moment, je sais pas, je viens, je les mets tous, je les mets tous, et il reste la noire. Il reste la noire, et pour ceux qui ne connaissent pas les règles du billard, en gros, quand il y a la noire, c'est la dernière boule, tu la rentres celle-là, tu as gagné. En gros. Entre deux bandes. Non, mais quand il te reste plus rien, quand il te reste plus rien, quand il te reste plus rien, Non, tu dois tu rentres en la deux mettre bandes. celle-là et c'est bon. T'as dit quoi? Oui, mais non, faut rentrer la noire en deux bandes. Oui, même. Bref. Mais nous, on l'avait fait en 1 parce qu'on était petits, donc on s'en foutait. Du coup, on vient, on veut me mettre la noire, et c'est pas un moment, je viens, je mets la noire, Noxis il vient, il me fait. Eh, je sais pas, genre Noxis il a le seum, c'est logique, frérot, ça faisait 1 heure et demie, C'est faux, on c'est toi qui as était. perdu. C'est toi T'as qui avais perdu. seulement peur! Vas-y, vas-y, dis la fin. On était grave. Noxis il avait grave le seum, et moi, en fait, genre, je pense pas que vous pouvez le savoir et tout, les refs, mais dans la vie de tous les jours, depuis que je suis petit, quand une personne elle perd, genre, quand une personne elle perd, c'est pas je viens, je suis humble et tout. Et je viens, je fais bah! 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 Bah alors, on a perdu! On a perdu ou quoi? Elle est noire, mais je l'ai rentrée! Bah! Donc, si, vient. Et il est venu, il voulait me niquer. Il est venu, après, je suis venu, je lui ai fait ça. Je lui ai fait le truc de trop, je lui ai fait bah alors, bah alors, bah alors, bah alors. Non, mais bah alors. Il est venu, il m'a fait. Eh, je l'ai piqué! Il m'a pris le bras, il a essayé de me mettre un coup de poing. Il me l'a mis, mais il m'a pas fait mal. Et du moment où il a fait ça, Mais comment il l'invente? Voilà comment il l'invente! Voilà comment il l'invente! J'ai juste c'est un peu. Vas-y. Bref, les gars, le truc à retenir, c'est que on s'est battu. Et vous voyez, on s'est battu devant la salle de mon père. Et il voit parce que lui, il était au bar, tranquille. Et il voit à gauche, on est en train de se battre. Et il y a ses potes ici. Il y a ton fils qui est en train de se battre là. Il D'ailleurs, vient, attends, il sort comme attends, ça. attends. Attends, D'ailleurs, eux, attends. D'ailleurs, eux, c'est des grands connards. Tu sais pourquoi? Il y a des petits, ils se battent, ils vont pas aller voir. Je dis ça, je dis rien. Bref. Bref, et il dit, mon père, il était encore en tablier, il était vénère, parce qu'en plus c'était un rush, tout ça, et vers comme ça. Mais moi je faisais du judo. Du coup, moi je me disais, quand on fait une baliette à quelqu'un, on tient, on l'attend. Il est venu, il fait, oh non, les gars, oh non, quand je vous dis que j'ai fait un 360, mes pieds, ils ont touché le plafond, je suis redescendu, je suis tombé, j'ai encore la cicatrice là. Et après, moi je fais ça, ah, ah, et je tourne la tête, je vois Yarox, il y a son père, et il lui met C'est pas ça le pire, c'est mon père, il vient, il me tape. Il a mis. Eh, vraiment, Oh! j'ai fait ça. Eh, je marchais, j'étais comme ça. Eh, Non, après, je sais pas. Non, nos darons, ils ont dit, attends, ah, après, c'est pas. vous voulez vous battre, on va vous montrer ce qu'on peut vous battre. Après, c'est pas. Mon père, il m'a fait ça. Et moi, après, je viens, je monte dans le bâtiment pour aller chez ma tante. C'est pas, je vois, je croise dans les escaliers, il y a mon frère. Il vient me dire, tu tapes avec ton cousin, toi? Tu tapes avec ton cousin? Parce que je m'étais tapé avec mon cousin avant. Il était venu, il m'a dit, tu tapes avec ton cousin? Je lui ai dit, non, je me tape pas avec mon cousin, je me tape avec Noxis. Il est venu, il m'a dit, ah, en plus! Poum! Et il m'a enclenché d'une puissance phénoménale. J'avais grave la haine. En gros, moi, je me suis mangé une tarte, Mais les gars, 10 minutes, une mais c'est tarte quoi de le plus. pire? Mais après, il a osé me dire, ouais, moi, la main de mon daron, elle est super forte. Je crois qu'on a eu la même sentence. Frérot, j'ai une cicatrice depuis. J'ai saigné, j'ai une cicatrice. Lui, il vient me dire, oui, mais moi, je me suis pris deux tartes, je pense que c'est équivalent. Après la tarte de mon daron, frérot, elle fait cette taille Ta quand gueule, ta même. gueule, ta gueule, ta gueule, À s'il te plaît. l'ancienne, frérot, c'était la main à Saitama, mon gars. Elle était comme à sa main comparée à ma tête. Sa main, no joke. Hein. No joke, sa main, elle faisait cette taille comparée à ma tête avant. Rendez-vous compte. Vraiment. Non, ça, vous deux, vous avez des yeux de meuf. Eh, Yasmine, t'as vu, je vais te ban de mon live.
C'est faux, ça. Moi, j'ai pas des yeux de meuf. Si, un peu. Abonnez-vous pour tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais, c'est pas vous abonner, t'es mon tueur préféré. Merci, Kiki. Merci à tous. Tu vas faire un... Oh, fils de pute, tu vas faire un live breton sur ma chaîne. Hein. Ah, je me suis fait mal. Hey, je me souviens quand on avait mangé du chocolat dans ton lit et qu'on avait écrasé le chocolat dans ton lit et que ta mère, elle avait pété un câble. En plus, ça m'a tapé, moi. Chais. Ah ouais? 210? Tu veux que je leur dise pourquoi t'as pas eu, toi? Tu veux que je leur dise pourquoi t'as pas eu, toi? Hein? Hein? Continue à me vanner, au moins je vais dire pourquoi t'as pas eu la main. Ah ouais? T'inquiète, avec grand plaisir. Merci, Kiki. Bah, hésite pas à t'abonner. C'est qui à gauche? À gauche, c'est Noxis. C'est à ma droite, du coup. Vous vous connaissez dans la vraie vie? On se connaît? Le youtubeur. On se connaît dans la vraie vie avant YouTube. Avant que je commence YouTube. Mais depuis notre naissance. Mais... Hey, je suis youtubeur préféré, votre youtubeur préféré. Ok, Inoxide. Ah. Merci pour les pailles là-bas, là, en bas à droite. Merci les refs. Bref, vas-y, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes? C'est un ado. Bah ouais, un peu. Vous voyez, eh, là pour moi c'est une anecdote tragique, je crois pas qu'il y aurait été avec moi ce jour-là, mais j'étais encore à la salle de mon père, et on entend, juste à côté de où j'étais, il y a quelqu'un qui se suicidait. C'était pas là? Eh, dis pas le mot, dis, il veut se souiller, genre. Tu vois, coccinelle. Bah, une coccinelle, c'est quoi? Non, mais au magasin coccinelle. Mais c'est quoi une coccinelle? Le magasin coccinelle. Ah ouais, je le connais, le magasin coccinelle. Bah quoi, il a quoi? Tu vois, c'était là où il voulait se souiller. Et du ah, coup, mais je crois que je la connais. Mon père, il me dit, hey, vas-y, j'y vais, tu bouges pas. Et moi, je vois toute la salle qui part. Il y a toute la salle qui part, et moi, je cavale, et il y avait ton frère, il était là, et quand il m'est arrivé, il m'a dit, hey, on t'a dit quoi là, tu pars pas? Moi, je dis, attends, et quand il part, moi, je vais le voir. Et il essaie de tempo, et vraiment, c'est un délire. Genre, et à un moment, il saute, hein, du bat, et il y a un pompier dans sa chute, il le rattrape comme ça, il le jette dans la maison comme ça. Ouais. Voilà. Anecdote sur 10, ça rentre dans le chat? Moi, je donne un 7. Ouais. Combien sur 10? Bonne nuit, tout le monde. C'est une anecdote rapide comme ça. Trop. Comment ça trop, t'as oui. 2024, ça fait des lives YouTube. Oui. Bah, pourquoi t'es là? Ouais. Je dois partir bonne nuit. Bah, merci Yannis, au moins d'être passé. Mon YouTubeur préféré, c'est Yarox. Merci Nicolas. Juste demain, à quelle heure le live? 21h comme d'hab. Salut Karim, comment tu vas? Karim BDG. T'as d'autres anecdotes ou pas? Yo, point d'année. Frérot, j'en ai beaucoup, mais je suis pas sûr qu'elle passe tout sur YouTube. Non, mais en fait, beaucoup de mes meilleurs moments, c'était des moments où ce serait pas intéressant à raconter une anecdote, en fait. En fait, pas sûr qu'ils passent tous sur YouTube, en fait. Oui, aussi. Bah, en fait, à un moment, j'étais en train de me droguer avec toi. Le pire, c'est que c'est vrai. Enfin, je rigole. Oh ouais, les gars, comme je vous ai dit, Yorox et moi, tous les deux, on a des familles nombreuses. Du coup, comment je vous dis qu'il va à mes mariages, je vais à ses mariages, bah, on en a beaucoup des mariages en commun. Et bah, ouais. Un mariage, je crois que c'est un des premiers mariages qu'on a fait où on était tous les deux, Yorox et moi. On sort et on va dans un parc de jeux. Et on se met, genre, vous voyez, c'est les petits trains là. Et Yorox et moi, on escalade comme ça et on va sur le train, sur le toit du train. C'était pas un grand train, frérot. C'était les trains. Pour nous, c'était où? On était vraiment petits. Ouais, c'était les trains des petits parcs, là, les mini-parcs. Wesh, Dieu. Ouais, des petits parcs, bref. Et on s'assoit tous les deux côte à côte. Il y a un autre qui arrive, il voulait qu'on laisse la place, mais il nous a pas demandé de nous laisser, tu vois. Alors, il a peut-être fait une petite place. Il vient, il me pousse du train comme ça. Moi, je tombe à plat ventre, tu vois. On était vraiment petits. Hein.
Et après, quand Yarox il voit que lui, il m'a poussé, il l'attrape, il le jette et il le tape. Et après, moi, quand je me relève, je vois Yarox, il est encore en train de taper. Moi, j'arrive, je me fais chasser. Et après, il y a ses deux frères à Yarox, ils me rattrapent et ils me font comme ça. Arrête, je suis pas. C'était. J'avais vraiment la haine de ouf ce jour-là. En fait, va dormir, mon ref, demain, t'as cours. Non, je code mon stream à minuit. Les refs, vraiment, genre ce jour-là, de base, je suis vraiment pas quelqu'un de nerveux en vrai. Moi, je suis vraiment quelqu'un de. Frère, je suis gentil en vrai. Mais, ce jour-là, j'ai vu ça. En fait, c'est pas ça. Moi, j'étais tout à droite. Donc, si c'était au milieu, le mec, il est tout à gauche. Moi, je suis venue, je fais ça. Non, le mec, il est tout à droite, moi, j'étais tout à gauche. Et moi, je viens, je fais ça. Je vois, t'es au sol. Et genre, pour moi, t'étais tombé grave bas, genre. Eh, je suis venue, j'ai fait ça. Le mec, je l'ai agrippé, je l'ai fait comme as. Ça. Eh, c'était, j'avais, eh, au nom, je l'ai tiré grave fort. Je l'ai tiré grave fort. Après, je suis venue, quand il était au sol, j'ai sauté. Eh, je vous mens pas, hein. Je l'ai jamais dit à Noxis. Quand j'ai sauté du train pour aller taper le mec, de un, je m'étais gamelle, de deux, je me suis fait grave mal. Parce qu'en gros, c'était grand. Eh, mais quand j'ai sauté, genre, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Eh, mais après, avec l'adrénaline, je me suis relevée. Le mec, il était au sol, je lui ai mis... Salut, Kevin, salut. Yo, Kevin, j'avais trop la haine. J'avais vraiment grave la haine. Bah, bonsoir, hein, Karine. Yo, Karine, bonsoir. Yo, Lune. Salut, Lune. Sale con. Merci, Arnès. De quoi 1m60? Ouais, c'est vrai, de quoi 1m60 la taille de 1? Attends, je regarde si j'ai une autre anecdote. Ouais, tu vas chercher dans ton casier? Eh les gars, un jour il est venu chez moi, on est allé dans la rivière, il savait pas nager. Ça y est! Il me dit, ouais, moi j'habite à Paris, je me baigne jamais, j'ai juré, il savait pas nager. Les refs, en gros, regardez. Et c'est pas, il était petit et tout ça. Ou non, je crois qu'il avait 13 ans. Déjà, je savais nager, mais je savais pas bien nager. Frère, t'étais en bouée. Moi, je nageais comme ça. Au nom de Dieu, t'étais en bouée. Je savais nager sans bouée, mais quand on commençait à nager un peu trop longtemps, je prenais une bouée. Moi, j'étais comme ça. Je nageais. Toi, je te voyais, t'étais loin. T'es embrouillé comme ça. Le frérot, une fois par semaine, il va nager. C'est logique, il sait mieux nager que moi. Mais quand même, tu sais pas nager à 13 ans. Mais je savais nager, mais en plus, je crois même pas que j'avais 13 ans. Je crois que j'avais moins. Et je savais nager, mais pas très bien. Peut-être, Nicolas. Tu mens, t'as oui. Tu mens. Bonjour, vous faites quoi? On fait rien, on fait pas grand chose. Hein. Petite anecdote. Moi, okay, j'ai une anecdote. On avait fait un groupe de baf avec des potes. Noxis, on est d'accord. Que le truc il fasse genre 50 mètres de profondeur ou genre 3 mètres de profondeur, c'est la même chose. Donc, il n'est pas ta papier. Moi, j'ai peur quand c'est à 50 mètres. Non, moi, quand c'est 50 mètres, je m'en fous. C'est le bon goût. Ouais, moi, je crois que je suis un peu pas là. Moi, un jour, je fais un cours de baf avec des potes. Et tu vois, il met une baf, tac, tac. Et on est tous les deux tout rouges. Et à un moment, il me dit, nos fils, je crois qu'ils étaient plus forts que ça. Je fais, vas-y, les gars, on rigole et tout ça. Il me dit, ouais, genre, tu vois, ils me croient pas. Genre, quand je leur dis ça, ils pensent que c'était juste pour trouver une excuse. Ok, je lui mets une vraie baffe et après vous n'allez pas dire ouais, t'as. Vas-y. Je mets une baffe à l'autre, je crois qu'il avait la tête qui tourne. Attends, et après il me dit ouais, à mon tour. Et après il met une baffe, il me loupe tellement, je crois qu'il était sonné, il me loupe, il fait un demi-tour comme ça. Il est juste. J'ai juré, c'est trop dingue. J'ai juré le concours de baffe, j'ai juré, c'est trop marrant. Je dis trop, j'ai juré dans mes phrases, mais est-ce qu'il y a un problème avec ça? Les refs, on est à 1956 abos. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche de notification, ça fait énormément plaisir. Et comment t'as-tu allé? Moi, je suis à... Salut Kevin.
Tu l'enlèveras quand ta cagoule? Mon ref, j'enlève ma cagoule quand j'aurai assez de questions sur mon Insta, venez. Trop délec. Quoi? Yo, Alibi. Je vais dormir à tout. Ciao, ciao. Ça va ou pas? Tranquille, hein, et toi? Non seulement il enlèvera sa cagoule, mais en plus, il pourra publier une vidéo qu'on a fait. Non, j'aurais pas fait le montage. Oui, mais. Tu vas même pas envoyer les rushs d'ailleurs. T'es un ado, ouais. Tu m'as toujours pas envoyé les rushs. Ah ouais, mais. Voix de puceau. Attends. Voix de puceau. Ah ouais, t'as ouïr. Est-ce que toi, t'es puceau, oui ou non? Vas-y, dis la truc. Parce que je vois, tu dis voix de puceau. Vas-y, dis. Tu toi, ouais. J'ai mis un pull gris. Tu l'as trouvé? Quoi? Toi, j'ai perdu un pull gris Primark. Tu l'as trouvé? Ouais, après, c'est pas une grande truc, moi. Après, je viens de l'acheter, je l'ai mis. T'imagines app? Ah ouais, bah ok, t'es très bien. Demande à mon groupe de 11 amis. Il parle de puceau. Mais c'est qui déjà ton pote là qui s'est mis sucer en 6ème? On t'abouche. Quoi? On t'abouche. Désolé, je peux répondre. Elle s'appelle Ismaël. Comment ça, elle s'appelle? Ma Érise, chérie, elle est magnifique. Tristan, t'es bizarre. DGSI, tu connais BG? Ouais, je connais. C'est un groupe de flics, je crois, non? Tu ressembles toujours à Inox. Elle a une cagoule, Inox. Mais ouais, c'est ça. Frérot, vous voyez pas ma tête? Des anecdotes, t'as peur. Vas-y, Yorks, putain, c'est bon, tu racontes des anecdotes, vas-y, toi. Quoi? Moi, j'ai raconté des anecdotes? Vas-y, bah, raconte-en. Une anecdote sur quoi? D'accord. Attends, faut que je réfléchisse, alors. Hey, yo, responsable YouTube. Vois, vous voyez, quand je vous ai parlé de Coccinelle, où à côté, là, il y avait un gars, il voulait suicider. Bah, à côté de Coccinelle, il y avait une boulangerie. Pourtant, elle changeait d'enseigne. Mais tes yeux, les rêves, j'ai pas les yeux de Ginox, le petit Inès. Ouais. Non, j'ai installé les rêves. Coucou, ça va et toi, Kelvin, mon rêve? Le like. Merci à François, mon rêve, merci à toi. Ouais, ça, ouais, c'est vrai, mais la partie de l'iceberg. Comment ça? Mais regarde le message qui est en OSTP. Elle s'appelle Ismaël. Ouais, mais c'est quoi? Les gars. À l'époque, quand on traînait à la cité, tout ça. Ouf, 9h60, tu traînes à la cité. Ouf. Ta gueule. Ouf, tu traînes à la cité. Il y avait la salle de mon père que je vous disais là. Yorox, il habitait à côté, mais pas dans une cité. Genre, il habitait à côté. Et à chaque fois, moi, je faisais en sorte de venir chez lui et tout ça, mais il ne voulait pas trop. Son frère, il ne voulait pas trop. Mon père, il ne voulait pas. Et on passait. Et mon père, ils connaissent tout le monde dans la cité, c'est une dinguerie. À chaque fois que je bougeais quelque part, ils me recevaient un appel. Bref. Et on voit son frère. Et tu te souviens ton frère là, avec sa bécane à 800 balles. Enfin, sa trottinette électrique. Il nous prend tous les deux dans sa trottinette électrique. Et on était trois du coup sur la trottinette électrique. Et vraiment, c'était une trottinette électrique. Elle montait vraiment le jeu à 80. Et il a dit, ah, vous voulez partir, vous montez, et il faisait des roues avec la trottinette. Il faisait. Ouais, c'est ça, la trottinette, il faisait des roues. Vas-y, bah, dis-moi d'aller me faire enculer, alors, je fais une anecdote, il. Vas-y. Non, je parlerai pas. T'as un problème? Parle, frérot! Non! Merci François. Si je m'assieds bizarrement moi aussi. Attends. Tombe. Moi aussi je m'assieds bizarrement. D'accord. Tombe. Non. Oh.
Merci François. Ton mélange, vous devriez couper. Il y a un problème? Une position, t'as peur. Est-ce qu'il y a un problème avec ma position? Et moi, je suis assis à l'envers. Moi, je suis assis. Je suis assis à l'envers. Moi, il y a du sang qui vient à ma tête. Tombe. Mais arrêtez. Attends, j'ai envie d'essayer un truc. Attends, je te suis sur Insta. Merci, Nicolas. Ah, attendez, j'ai envie d'essayer un truc. On dirait des hommes d'affaires, mais qui sont un peu des guignols quand même. Attendez. J'ai envie de tester un truc. Wesh! Non, en fait, je crois pas, je vais réussir. Yo, Jennifer! Hey, Ox. Ouais? Je suis Chez ma grand-mère. Ok, c'est pour ça. Chez ma grand-mère. Quand on allait sous le canapé, là. Sur les côtés du canapé, là. On se cachait, on rampait comme ça. D'ailleurs, mon fils, je l'avais tué. Quoi? Mon fils, on avait fait une bataille de coussins, je l'ai tué. Regardez, mon fils, il est pas ce canapé là. Je sais, mais mon fils, il essaie de me taper avec un coussin. À chaque fois, il essaie de me toucher, je faisais. Oh non, les gars, j'ai joué la buse des baisers. Oh non, maintenant c'est réel. À chaque fois, il essayait de me toucher avec un coussin, je faisais ça. Oh non, c'est vrai. Eh les gars, je vais pas réagir. À un moment, je lui ai fait un bête de truc. À un moment, je lui ai fait ça. Avec un cousin. Et il est venu, il a fait. Il voulait vesquer. Mais quand il a vesquer, il a vu, je l'ai touché. Ça veut dire son corps, il a fait. Ah, donc c'est rien, pourquoi t'as le seum? Non, parce que c'est faux, tu fais qu'une mention. Quoi? On a pas qu'on a fait un combat d'épée en bois là et que t'as voulu arrêter parce que t'as dit bon, tu tapes trop fort. Bon, les refs, imaginez maintenant, il y a quelqu'un, on fait un combat d'épée en bois, mais genre c'est pour rigoler. Il vient, il vous tape avec l'épée en bois ici. Ah, c'est bon! C'est bon! Stocky, Doom! C'est ça! En mode, moi t'as 14 ans, peut-être, hein. À chaque fois, genre, ferme dans les doigts. Bon, jurez-moi, vous avez pas la haine. T'as peur d'un chien. Moi, j'ai peur d'aucun chien. Tu me ramènes un kangal, il me court dessus, je me boulette. Hein. Les refs, merci pour les 1962 abos. Putain, vous êtes vraiment les gosses. Ça va ou pas? Tranquille, et toi, Julien? Yoa disait, ah, oh, ça va? Il t'a fouetté, Yézébi. C'est pas ça, c'est il est venu, il me mettait des coups dans les doigts, il venait, il me faisait doum, 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 doum. C'est qui à droite? C'est Noxis. J'ai 14, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Teste une pute avec ta cagoule. Je teste une pute. C'est bon, on est maltraité les 2010. Mais les 2010, ils ont 14 ans? Yo, tu te souviens de moi? Je me souviens de toi, Aaron. Je rigole. Putain, Noxis, demain, je dois me saper d'une façon chiante. Les gars, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo en VR sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo en VR sur ma chaîne? Parce que je cache ma tête, Nicolas, mon ref. Ça sera sur les backrooms ou un truc comme ça. Ça sera sur les backrooms, ça sera juste pour un outil. Je te ramène mon chat, tu vas être choqué, c'est un pitbull. Les pitbulls, en vrai, je vous mens pas, ça a l'air. C'est pas méchant. C'est pas une cagoule qui cache ton identité. Si. Algérie relative. Relative, mon ref, c'est logique.
Demain, je t'ajoute et on joue ensemble les steaks. Les refs, je sais pas si demain je joue à Fortnite. On aime bien le Maroc. Ouais, moi j'aime bien les Marocains. Attendez. Algérie sont éclatés au sol. Peut-être Ethan, hein. Si tu le dis, Ethan. On est au bureau. Comment ça? On est au bureau, t'inquiète. T'as dit quoi, Noxis? Je crois que je vais quitter le live. Tu vas quitter le live? Ouais. Quand? Là. Tu vas pas quitter le live. C'est moi, je quitte du live. Tu ne vas pas quitter le live, c'est moi, je vais te quitter du live. Ah. Ouais. C'est quoi ton pays préféré? C'est l'Algérie, la France. Bon, les gars, je vais quitter le live. Rendez-vous sur ma chaîne, comme ça, pour le prochain live. Du coup, si... Ciao, mon ref. Yaros. Ouais. Yaros. Je vais être tout seul parce que c'est moi qui quitte. Bah bah alors, Noxis. Yo, Anaya. Bah alors, Noxis. C'est comment, mon ref? Ça nous aidera. Qu'est-ce qui nous aidera? Enfin, qu'est-ce qui nous aidera? Ça demande ton snap bizarre. Non, si vous voulez, j'ai Insta, les refs. Mon Insta, il est dans la bio. Non, Nicolas, mon Insta, il est dans la bio. Quelqu'un connaît la réponse à ma question? C'est quoi ta question? Ça va et toi, NT? Ça va et toi? En vrai, vous êtes vraiment massifs, les refs. Merci à tous, hein. Cédric, mon ref, je vais te ban définitivement, frérot. C'est pas la première fois que tu le fais. Bientôt les 2K, Yaros. C'est vrai, les refs. Plus que. On est 1964 à bouffe sur la chaîne. C'est incroyable. Bientôt les 2K. Ton pote, il s'est cassé. J'en peux plus. C'est moi, je l'ai kick. Ouais, c'est ça, Ethan. Je te jure, c'est réel. J'ai aussi ton IP. Ah ouais, t'as weird. Si tu le dis, hein. Coucou, pourquoi on voit un petit carré? Comment ça, Méline? Merci pour l'info. T'inquiète, t'as eu fait weird. Est-ce que les refs, vous avez des petites vidéos un peu longues à me conseiller ou pas sur YouTube? Là, je suis sur YouTube. Est-ce que vous en avez des petites? Ok, Alberto. Ok, Alberto, ok. Mais putain, des vents. Non. Attends, Shana. En haut, je l'ai. J'ai remis. Remets. Lord Elden Ring en entier par Archiron. Ouais, mais. J'aime pas beaucoup. Enfin, j'aime bien Elden Ring, mais. J'ai pas encore joué au jeu. Ça veut dire flemme de regarder de l'or. Merci, Julien, mon ref. Attends, je redémarre mon tel. Ok, c'est bien. Tu connais Nino Meski, MSK? Ouais. J'ai vu quoi? Yo Noah, comment tu vas? On est tous les deux. Bon, Thomas, gros, tu grailles. C'est bon. Tu fais pas trop le beau. Non, je fais pas le beau. Je vois pas que. Le Congo sont forts pour toi. Ouais, en vrai. J'ai des potes congolais. Ouais, ça va, le Congo, ils sont chauds. Kakakou pour les vidéos. C'est impossible de pas cringe. Je joue, c'est super cringe, mais je vais rien dire parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Ça va et toi, Louise? 24 heures. En fait, c'est énervant des fois parce qu'il y a trop de 24 heures sur YouTube. Mon pack, voilà. Je reviens. Ok, Lune. Merci en tout cas à toi, Lune, d'être là. Tu fais trop le beau. Je fais pas le beau, mon ref. Enfin, après, si tu me trouves beau, merci. Bah.
Eh, j'ai juré, c'est trop marrant de faire l'arrogant. Être arrogant, c'est pas marrant. Faire l'arrogant, j'ai juré, c'est trop marrant. Ton pote a fait le bon choix. Comment ça? Ok, arrête de m'insulter, wesh, cassez-vous alors. Merci, Ethan. La cagoule. C'est pas parce que j'ai une cagoule que je fais le bon, ref. Yo, Brice, yo, Mickaël, comment vous allez, les refs? Dites-moi, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que demain vous allez aller en cours? Est-ce que vous êtes bien dans votre chambre ou quelque part là chez vous? Dites-moi. Rip, toi qui as juste envie de te coucher, ça se voit. J'ai vraiment pas envie de me coucher. Après, en vrai, le ref, là, vous vous dites peut-être c'est des cernes. J'ai souvent des cernes, mais c'est naturel, vous direz, je pense. Merci à Neyaz, mon ref, de tes travaux, ça fait super plaisir. Putain, 1967 abos, les refs. Moi, je vais bien. Bah, tranquille alors, Brice, je suis abonné à toi. Merci, merci, Neyaz, mon ref. Bien. Bah, tranquille alors. Tranquille. Attendez. Hey, je vous jure, le macaboule, des fois, c'est chiant. Regarde tes cas 78. Voilà. Flemme un peu pour l'instant. Enfin, pas en plus en ce moment. Tu veux avoir ton nom et prénom et adresse sur le live? Vas-y, bah, si tu veux, mets-le. Est-ce que tu joues à Fortnite? Ouais, je joue à Fortnite, mon ref. J'ai sorti une petite vidéo, si tu vas la voir, t'appuies vers là. T'appuies sur mon profil, en gros. Et j'ai sorti derrière une vidéo. Tu me dis ce que t'en as pensé après un com, si tu vas la voir. Et voilà, tu bois du Perrier. J'ai juré, c'est trop mon Perrier. Le Perrier aromatisé, j'ai juré, c'est incroyable. T'es sûr? Comment ça, t'as oui? Ouais, bah oui, j'ai. C'était mon tel qui buguait. Ah bah voilà. Salut, ça va et toi, Raphaël? En vrai, je rigole, YouTube va réussir dans. Je rigole, YouTube va réussir dans YouTube. Quoi? Merci, t'inquiète, Nicolas. Tu peux me dire ton pseudo? Je te dirai quand je serai en live partage, mon ref. Tu fais du sport? Moi, je fais du badminton. I love the badminton. Non, j'ai des problèmes de santé. Du coup, je peux pas faire du sport. En tout cas, pas en ce moment. Merci, Lia, mon ref, de tes travaux. Ça fait énormément plaisir. Salut Evangeline, c'est dégueulasse ce Perrier aromatisé, je c'est incroyable. Yo Céline, tu vas réussir dans YouTube. Merci Stan, mon ref, merci. Je t'adore, merci Evangeline. Tu regardes quoi comme type de vidéo? Des vidéos comme Inox. Je kiffe les vidéos d'Inox. Surtout, en vrai, les vidéos d'Inox de maintenant, je les kiffe, hein, mais beaucoup moins que les vidéos d'Inox en 2021-2020. Ils étaient incroyables. Yo Démo. Des os. T'inquiète, t'inquiète. Merci, merci Stan, mon ref. On est 28. C'est incroyable comment c'est beaucoup. Il ken. Ah, quoi, t'as eu? Tu t'appelles comment? Je le dis pas maintenant, mon ref. Tu connais Michou? Ouais, Michou, c'est un petit youtubeur, c'est ça? Suis Coco depuis seulement 2 semaines et je viens presque à tous tes lives où tu discutes avec nous. Bah, ça fait plaisir, Céline. Pourquoi tu mets ta cagoule? Parce que pour l'instant, je mets ma cagoule, mais bientôt, je vais l'enlever. Vous pouvez juste venir sur mon Insta, vous me posez quelques petites questions quand je fais une story FAQ. Et voilà, mon ref. Je suis nouveau sur tes lives, je suis déjà abonné. Merci, Kaïs. Wesh, merci, mon frérot. T'es un gars ou une fille, désolé. T'as vu? Je suis un mec, mon gars. Pourquoi tu dis pas ton prénom? Je dis pas maintenant. Merci pour les 1960 abonnés, les refs. Merci à tous. Cagoule ado. Tu l'enlèves dans ce live? Non, je pense pas. Monsieur abonné, merci Sancho. Non, c'est Sancho. Voilà. T'es nul. Merci Taïwir. Pourquoi tu mets une cagoule? Parce que je cache mon identité pour l'instant. Mais bientôt, je l'enlèverai. T'inquiète, là, je donne pas mon âge, mon Bah, mets une vidéo d'Inox survie inix, c'est vieux, mais bon. Eh, la vidéo, je la kiffe, mais je l'ai déjà regardée 2, 3, 4 fois peut-être. D'ailleurs, les refs. Est-ce que vous avez des petits indices pour la vidéo Bunker, la vidéo la vidéo d'Inox, la Backroom? Est-ce que vous avez des indices? Yo, IRM. Bon, je vais peut-être enfin pouvoir poser ma question. Ma pote meuf qui s'appelle Ismaël et transmet du coup, est-ce qu'on peut dire qu'elle est hétéro car elle aime les mecs? Bah, si c'est une meuf, oui. Il met une cagoule parce qu'il est délinquant et qu'il vole pendant la journée pour gagner sa vie. Hashtag, Yarok, c'est le meilleur. Merci, Evangeline. Moi, je peux te dire mon pseudo sur Fortnite. Bien, mais Neyaz, là, je suis pas sur Fortnite. Je suis pas ton ref. Ok, mon ref. T'as vu que tu fais genre, mais derrière l'écran, t'as 8 ans, donc chute. Tranquille, les refs, tranquille. Moi, je laisse parler, wesh.
Merci à Sancho, frère, franchement, pour mon abonnement. Je suis censé dormir, mais t'inquiète. T'inquiète, bah Céline, tu vas aller dormir, t'inquiète, y'a pas de problème. Hein. Wesh, attendez, mais Céline. Attendez. Du coup, pourquoi tu dis pas ton prénom? Parce que je garde un petit peu mon identité. Mon anima pour l'instant. Tu vois une. Ok, t'as eu mon ref, t'as l'air de beaucoup aimer la chaîne, on dirait, frérot. Pourquoi tu restes autant? Monsieur Fortnite, Victoria, je le dirai dans un autre live. Dans un live Fortnite. Traouir, mon ref, je sais pas pourquoi, t'as l'air vraiment aimé la chaîne pour rester autant. Neyas, j'ai fait une vidéo Fortnite, si tu veux aller la voir, ça me ferait énormément plaisir. Et bah, pour passer le temps aussi. Bon, vas-y, j'y vais, bye, et bye le chat. Ciao, ciao, Céline, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo. T'as la flemme d'aller à l'école. J'y vais souvent, oui, vous êtes doux. Bon, j'y vais, bye, Yarox, bye le chat. Ciao, ciao. C'est bien les gens aigris, surtout la nuit, sans esprit, mais placés. Moi, je m'en fous, hein. Ils ont qu'à être là. T'as combien d'abonnés? 1975. Les rois, vous êtes vraiment les boss. Yo, Flop. Wesh, Flop, il vient une fois par an. Est-ce que tu peux faire un dédicace à cette salle? Non, ouais, ça marche toujours pas. T'as le logo algérien, mais respecte la religion dans cette période quand même. Oui, j'ai. Mais ouais. D'accord, j'ai insulté. Tu peux regarder la vidéo Impossible de parier Fortnite. Ah, bah, merci, Lune. Je la verrai après live. Tu peux faire une dédicace? Non, ouais, moi, ça va pas marcher. Ça veut dire quoi, Hmat? Hmat, je sais pas. Oui, je crois, j'ai vu une vidéo. Ah, bah, Victoria, si t'as vu la vidéo, merci. T'en as pensé quoi? T'es une femme. Ok. Ok, mon ref. Ça va toi, Flop? Toi, t'es en quelle classe? Neyaz, je dis pas des infos perso comme ça, mais bientôt, vous allez en savoir beaucoup plus sur moi, normalement. Bientôt, vous allez en savoir plus sur moi. Yo, Camille, comment tu vas? Comment tu vas? Salut, Sissa Zenachi. Comment tu vas? Putain, j'aime trop dire comment tu vas, en vrai. Vendredi, je vais pas à l'école, il y a pas cours, mes parents sont pas là. Oui, tu te mets bien, Méline. C'est dire quoi, BDH? C'est-à-dire bandeuse d'hommes. En gros, c'est une meuf qui aime trop les hommes. Si je te note, je te mettrai 9 parce que je suis le 1 qui te manque. J'aime bien ton bot. J'ai vu la vidéo faire top 1 avec un sniper. Oh, bah ça fait super plaisir. T'en as pensé quoi? Géorgie du Sud, les sandwich. Ah, les sandwich, je vous jure, je connais. Yo, Chim, t'es de quelle origine? Sûrement sa mère. Va voir Anna, s'il est trop drôle, tu ne pourras pas arrêter de rigoler jusqu'à la fin de tes jours. Je suis pas loin. Dis quoi? Ce jour, tu dis quoi, Koubé? Je t'insulte. Et je te banne. J'adore ton maillot de foot. Merci, Neyaz. Top 1 Fortnite, qu'est-ce que. Flop, va te faire foutre. Allez, tu prends ton ban. Voilà. Tac. Ça se voit son allure, ça se voit à sa coiffure, ça se voit à sa façon de marcher, de parler. Tu vois bien que c'est une princesse. Bien gay. Ok, Traouir. Bon, bref, t'as l'air de beaucoup aimer la chaîne. Pourquoi tu restes autant? Moi aussi, je suis algérienne. Jure? De où? Tu te souviens de moi? Ouais, Camille. Ouais, t'inquiète, Lily, j'ai compris. Bah, en vrai, ça va, continue comme ça, tu peux devenir un bon youtubeur gaming. Bah, en fait, j'aime bien le gaming, mais je vais essayer un petit peu de me décoller quand même du gaming. Déjà, regardez là, je vois, vous kiffez de ouf. Les vidéos comme As, enfin les lives comme ça, et j'aime bien, en vrai, moi aussi. Tu peux montrer ton écran et tout? Pas tout, je peux pas tout montrer. Et mon écran, les rats, c'est juste YouTube. Ouais, si, ça, je connais. Jure, ouais, je vais me décoller un peu de YouTube. T'es mon youtubeur préféré? Bah, ça fait plaisir, Kiki. Attends, juste, je te mets. Taouir, je te mets à 5 minutes parce que depuis tout à l'heure tu forces un peu, je te mens pas.
Alors, ouais, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, mettre la petite cloche de notification, ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, quoi. Dans tous les cas, c'est pas une insulte, mon ref. Non, mais laissez-le, les refs, c'est bon. Merci, Demohan, de t'être à bout, mon ref. Ça me fait énormément plaisir. C'est quand tu vas te montrer, wesh. Je vous ai déjà dit, les refs, je vous ai dit 1000 fois. Lily, t'inquiète, j'ai compris. En gros, faut venir sur mon Insta. Venez sur mon Insta. Quand on est sur Insta, les refs, vous me posez une petite question et tout. Quand je fais une petite story FAQ. Et voilà. Je récupère ça. Et c'est carré. De un, vous allez passer dans la vidéo. De deux, vous allez voir ma tête plus rapidement. Juste parce que t'es sympa, je m'abonne. Merci, Victoria. Merci. Tu fais quoi? Je parle avec vous. Vous êtes des ouf. Tu connais Jo-Yoon? Ouais, je la connais. Bon, pas personnellement, mais ouais, je la connais. Oh, bah ouais, les refs. T'as combien de modérateurs? Là, pour l'instant, j'en ai juste 0. J'arrive à gérer un petit peu. On dirait Arad avec ta cagoule. Ouais. On le dit trop souvent. T'es mon tueur préféré. Bah, ça fait plaisir, Camille. Lily, c'est bon, s'il te plaît, arrête de le redire. Je me suis abonné. Merci Brice. Merci, merci. Wow, la caméra a fait. Merci Brice de l'abonnement. Tu t'appelles comment sur Insta? Tu vas dans ma bio ou tirer du bas Yarox avec 2x. C'est une photo de profil de Itachi. C'est la photo de profil de Kakashi. C'est qui Stream Element? Question. C'est mon bot. Moi, je me suis abonné au début de soirée, mais j'ai vu que j'avais des minutes de retard sur les lives 5000 ans. Après, tu m'as remercié pour t'aider. Aga. Après, soit c'est Stream Element qui m'a alerté, ou soit c'est toi tu m'as dit, et du coup, ouais, j'avoue, il y a du délai. Je suis derrière toi. Et vous commencez à forcer avec ça. Vous commencez à forcer. Ok, ami Dax. Mon ref, t'as juste perdu ton temps. Mais putain, les refs, 1978 à bout. On devient pas. Les refs, vous êtes mes abos, frérot. Vous êtes mes refrains. Mais pas tes potes sont modos. Même pas tes potes sont modos sur ta chaîne. Non, même pas. Si, je crois qu'il y a Noxis. Non, même pas, il n'y a aucun modo. Plus un, je me suis abonné. Merci, Sissa. Merci. Je t'adore. Merci, Camille. Il reste plus que 22 abos. N'hésitez pas à partager. Vraiment. Ça, j'avoue, en fait, en ce moment, je ne dis plus assez. Vas-y, je vais m'abonner même à ton Insta. Merci, Victoria. T'es un HMAT, toi. Ok, Lily. Goofy, Musty, Looking, à. Je peux aller style 20$ ou t'as. Ok, grave. Noxis est pas en live. Non, flop. Attendez. Non. Moi, je suis pas dans la cage. Je peux sortir, tu peux m'ouvrir. À vous forcer. Merci à Vice de t'être abonné à mon Insta. Qui n'aime pas Yarox? Wesh, arrête, t'as pas école demain? Hier, t'étais pas en live. Non, j'étais malade. Bref, demain, j'envoie le pseudo sur ta chaîne dans le groupe de ma classe. Merci, lui. N'hésitez pas à partager la chaîne à vos potes. Si vous voulez qu'ils s'abonnent à ma chaîne et qu'ils me découvrent, vraiment, ça m'aiderait énormément de 1. Et moi, ça me ferait plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. On devrait faire des trucs dans... Quoi? Moi aussi, demain, je sèche. Moi, demain, je sèche pas, vous êtes des ouf. T'es une fille ou un garçon? Bon, maintenant, là, tu vois bien, normalement. Est-ce que j'ai une tête de fille? Est-ce que j'ai une tête de fille, maintenant? Dis-moi. Oula, je pleure. Tu imagines tes prochains Arad? J'aimerais pas être le prochain Arad, les refs. Bientôt j'avais ma cagoule. Vraiment, le seul rapport que j'ai avec Arad, c'est la cagoule. Salut Arad. Yo, je t'aime. Salut, je suis nouveau. Yo, Yogan, comment tu vas? Et d'ailleurs, le surnom Yarox, c'est Arad. Vous arrêtez? Moi, je suis pas allée à l'école toute la semaine. Pourquoi? Tu connais l'homme en blanc? Non.
Attendez. Ça ne veut pas augmenter. Kokubaka. Et je vais pas parler. je vais pas parler, t'as vu. T'arrêtes avec tes Kokubaka. Je veux dire ton âge. Non, désolé. Parce que je suis malade. Oui, Camille, oui. Ah, merde. Je pensais que c'était toi qui disais que t'avais séché. Wesh, Arad, il est où, Cyril? Mais j'essaye pas de ressembler à Arad, les refs. Ce soir, Noxis et moi, on devait faire des trucs. Quoi? Il est en live avec moi. C'est pour ça qu'il est parti! Après, je lui envoie un message. Moi, j'ai pas anglais jusqu'à la fin d'année. Même pas remplacé. Putain, tu te mets bien. Méline, Camille et Lily, merci de pas me laisser seule dans son live de fou. C'est genre quoi ça? Moi, je vais aller au foyer, je vais plus du tout à l'école depuis un an. Pourquoi je t'aime? C'est vrai, je te jure. T'inquiète, je te crois, je crois. Les refs, n'hésitez pas à vous abonner à la petite chaîne. Vraiment. Moi, je suis algérienne. Ah ouais, Néliaz. Non, juste Lily, en gros, tu spam là. Non, je te jure, oui. Je pense que je vais te croire. Non, ça, je te crois, mais voilà quoi. Dis quoi. Dis coubé, on verra. Oui, ça la gâche de ouf. Non, même pas. Et alors, t'as une touche, Rox. Avec qui? Vous êtes des ouf, vous? Avec une œuf de ma classe? Quoi? Comment ça? Vous avez, j'espère que vous avez pas entendu le let's go que j'ai dit. Et moi, je suis en primaire et je dors pas encore. C'est de... Wesh, t'es née hier. Par contre, les filles, elles sont en train de déformer mon prénom et là, je m'appelle Shana, moi. Ok. Je suis un garçon. Ah bah, Néliaz, pourquoi alors t'as dit algérienne tout à l'heure? Moi, je suis en 6e, mais je suis en Suisse. Quoi? Mais Suisse, 6e et tout, c'est pareil ou pas? Genre, on dit 6e? Je suis en 6e. Oui, vous êtes tous des 6e. Noxis, Amal ou un, quoi? Oh! T'es une merde. Ok, ou pas. D'accord. Non, c'est pas pareil. C'est quoi, genre, la 6e en Suisse? J'ai la grippe, je te jure. Ah ouais? Ah ouais? Je crois que je te crois. Non, je rigole. Non, ça, bah, c'était la grippe. Ouais, j'avoue, c'est toi. Les gens qui viennent avec la grippe en cours, j'ai envie de les insulter. Ta gueule. Ok, ou pas. Ça se voit. T'as une tête de malhonneur. Quoi? J'espère que je suis pas le seul 4e rip. Tête de neige, frère. La flamme. T'as vu? T'es venu sur mon stream, petit drapeau de la France en PP. Je me suis dit, pourquoi pas Belek? C'est quelqu'un de bien. Non. Pas quelqu'un de bien, c'était Crisard. Je suis malade, j'ai la maladie de la flemme. Putain, mec, je suis touchée par celle-là aussi, je crois. J'ai trop la flemme. Allez, Ashulam, allez. Les filles de ma classe, framboise digoulas. C'est le de Joyun Malonov. Quoi? Moi, tu me parles pas. Moi, je dis pas ça, vous avez vu? Regardez, le moi, tu me parles pas. Moi, regardez, les rêves, je vais pas le dire. Parce que si je le dis,
C'est un coup, je me fais prendre par Macron. Par Macron, je suis touchée. Par Mbappé. Wesh, vous êtes des ouf. Il a juste mis Mohamed Deni dans son burger aussi rond que la tête à lui, là. Il s'est mangé un procès. Moi, c'est bon, c'est mort. Donc, si ça a mal. Il a mal ouf. Je suis en quatrième. Ok, Yogan. Bah, c'est dur ou pas? C'est quoi ton nom? C'est Yarox, les yeux. Just Karma. 93-3. Ouais, Camille. Ma prof, elle est super sympa. C'est la plus sympa de l'école. J'y vais pas. Wesh, frérot, t'abuses. Kaku, kaku. À chaque flamme, pourquoi vous dites tout ça? Quand il était ma mère, je le rappelle de moi. Quoi, Kate? J'ai pas bien compris. Non, désolé, Nicolas. Merci, les refs, pour l'élimination 79 abos, plus que 21 abos avant les 2000. C'est incroyable comment c'est beaucoup. Merci à tous. Très bien, je vais commencer à 30. Moi, les refs, mon animal préféré, c'est les chiens. C'est les chiens, les refs. En vrai, plus les malinois. Je sais pas si vous connaissez. C'est une race connue, en vrai. Non, ça va, ma moyenne est de 17,5. Ouais, j'étais bien. Yo, Allison, moi, je suis Yvite. Quoi? Mon pote, tout à l'heure, on était en paire, il m'a dit de rajouter un S devant, j'ai pas compris. Bah, Shana. Shana? Quoi? T'inquiète, je dis des mêmes au pif. On pourra monter les à 12%, je dois le charger, frère. Bah, au calme, l'homme. De toute façon, bientôt, je vais commencer. Moi, le serpent. Les serpents, je vois pas que j'aime bien. Mais c'est pas mon animal préféré. J'habite dans une villa. Ah ouais, Neyaz ? Invite-moi. Moi, je suis italienne. Attends, je suis italienne ? T'es italienne ? Ok. Imagine un youtubeur bien connu vient sur ton live. Bah, ça dépend qui, mais moi, ça me ferait plaisir. Genre, si c'est un youtubeur connu que j'aime bien. Après, si c'est juste un youtubeur connu, je m'en fous. Je ne sens pas que. Genre, je vais voir, je vais faire. Ah, ok. Genre, si c'est vraiment un youtubeur que je kiffe, ouais, je vais être heureux. Parce qu'en vrai, c'est pas parce que le youtubeur est connu que je le kiffe forcément. Moi, je suis italienne et allemande. Ah ouais, Shana? Ouais, t'as des origines de ouf. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yarox. Moi, je suis italienne. Ouais, vous êtes tous italiennes. Moi, je n'ai pas de moyenne générale. Je suis en sec, pas. Au calme, flop. Attends, deux secondes. Là, ça va. Comment on dit? Freeze. Moi, je suis marocaine. Ah ouais, Allison. Putain, on dirait pas, vu ton nom. On t'a déjà fait un don ou pas? Non, mais c'est moi qui les ai pas activés. C'est trop bien, j'espère une piscine. Non, je suis française. Ah, voilà. Moi, je suis la voisine de Mbappé en Algérie. Par contre, vu sa mère et son tonton. Et je me tends compte que c'est pas ouf. Quoi? Elle est grave, j'ai géré, mais si, ils sont vraiment longs. Mes profs sont grave méchants, sauf la prof de SVT, ma prof principale. Ma prof de SVT, est ma... c'est vraiment genre, elle est vraiment trop gentille. Gros big up à toi, ma prof de SVT. Il fallait prendre une capture d'écran. Pourquoi, Flop? J'ai une piscine. Quoi? Pourquoi? Pourquoi t'as une piscine? Attends, ça dépend. Incrusté dans le sol ou au-dessus? Moi, j'ai vu Amixem à Angers, c'est moins bien, mais Mbappé, mais bon. J'ai déjà vu Mbappé, mais les refs, il m'a pas calculé. C'est pourquoi le live Rocket League? Oui, toi, tu viens dans le live, tu dis ça, tu n'es même pas bonjour. Je sais pas, mais un jour. J'ai 9 ans, pas de critique, s'il vous plaît. Au calme. Il y en a. Pas un qui sait écrire correctement ici, pauvre
France MDR. Ah bah Philippe. Tranquille, hein. Après, on dit pas il n'y en a pas un. On dit il n'y en a pas un, mon ref, mais vas-y. Du coup, ouais, tu rattrapes pas. Tu rattrapes pas tout le monde, quoi, Philippe. T'habites où? J'habite chez moi. Tu vas nous manquer, frère. Wesh, Pauline. Wesh, on dirait que je suis mort. J'ai pris une capture d'écran. Pourquoi? De quoi? Yohan et Zuko, retourne en cours, garçon. Ok, Philippe. T'as eu ton trophée de 1K? Il n'y a pas de trophée de 1K, les refs. Il n'y a que le trophée de 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions d'abos. C'est Philippe Rousseau, je ne sais même plus qui, mais bon. Et ta maison, elle habite où? Bah, ma maison, elle habite chez moi. C'est logique. Pour ceux qui ne savent pas, il a 12 ans. Peut-être, hein. Peut-être j'ai 12 ans, peut-être j'ai plus, peut-être j'ai moins, peut-être j'ai beaucoup moins, peut-être j'ai beaucoup plus. Oui, mais ils sont toujours en live, logique. Non, Flop, c'est bon, c'est mort, Flop. Re Cédric. Mais ouais, je vais quitter mon stream dans quelques minutes. Plus qu'un abo pour les 1980, les refs, purée. Bientôt les 2000. J'arrive pas à m'en rendre compte. T'es à Marseille. Peut-être, peut-être pas. Peut-être oui, peut-être non. Et ta maison, elle habite dans quelle ville? Bah, dans ma ville. Faut être un peu plus intelligent dans la vie. T'es quel département? J'ai pas. Yo, Hakuna Matata. Yarox, t'habites à Paname. Peut-être. Hein. Mon cousin mesure 1m80 à 11 ans. Wesh, il est. Wesh, il est long un peu, genre. Ton cousin, c'est un lundi. J'ai vu, t'habites à Paname. Peut-être. Pourquoi tu me reconnais qui je suis? Attends. Coucou, tu me reconnais? Je suis lui qui a dit que c'était à qui à côté de toi. Il y en a beaucoup trop, David, qui me dit ça, mais ouais, je me souviens de toi. Et ta ville, elle habite où? Bah, elle habite dans ma ville, elle habite chez... dans ma ville. Yo, Timothée. Yarok, je suis ta chaise. Guettez ma chaise. Je vous ai dit, les refs. S'il y a une marque de chaise qui veut me sponsor, les refs. Eh, ma chaise, je l'ai depuis que je suis tout petit. Yarok, s'il habite à Paname, peut-être. Ça fait longtemps, quoi. C'est vrai que ça... Il est plus grand que son père. Oui. Les refs, dans 5 minutes, je cut mon stream. Non, en fait, je crois que je vais cut mon stream là, les refs. Comme ça, c'est bien. M'a dit oui. Bon, du coup, les refs, s'il y a une petite marque qui veut venir me sponsor pour une chaise, je vous fais de la pub. J'adore, tu vois, ton frigo, c'est moi. Non, non, bro, il est trop loin pour aller faire la blague. Bref, du coup, les refs, merci. Wouah, attendez. Non. Attends, non, en vrai. Oh ok, on dirait que je suis un con. Mais je m'en fous, les refs. J'ai juré, c'est trop bien. Bon, du coup, les refs. Merci à tous d'être venus sur le live, c'était incroyable. On a rigolé de fou furieux. Sur ce, les refs, c'était Yarox. Je vous kiffe. Je vous kiffe. Si tu veux, je peux t'offrir une chaise. Non, t'inquiète, mon ref. Je vous kiffe, les refs. Et retourne les 2K abonnés. Retourne les 2K abonnés au prochain live. Et sur ce, n'hésitez pas à partager la chaîne. Vraiment, c'est très très important. Je peux le dire, enfin, #ad. N'hésitez pas à mettre le code créateur Yarox dans la boutique Fortnite, YAROX. Tout simple. Comme le nom de ma chaîne, c'est énorme. Incroyable. D'ailleurs, je crois qu'on est à 18, entre 18 et 20 soutiens. C'est incroyable. Tous ceux-là qui sont sur Fortnite ou qui jouent à Fortnite, n'hésitez pas à les mettre. Même si vous ne dépensez pas de V-Bucks, les refs.
Même si vous ne dépensez pas de V-Bucks, vous mettez le code Raterian dans la boutique, ça me fait énormément plaisir. Yo, Overfox, désolé les refs, j'ai 4 en stream. Désolé. Yo, désolé à tous ceux qui veulent voir mon stream. Bon, les refs, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, et comme ça, dès que je relance un nouveau live, bah, vous êtes là, les refs. Yo, Overfox. Yo, IRM, putain, les refs, je suis désolé. Bye, ciao, je suis désolé, hein, toutes les nouveaux et tout. Toutes les nouvelles personnes. Les refs, je suis incroyablement désolé à tous. Tu joues à Fortnite là? Non, je joue pas à Fortnite, mais si tu veux aller voir un petit peu de Fortnite. Oui, d'ailleurs, tous ceux qui veulent aller voir Fortnite, du Fortnite, les refs là, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo, tous ceux qui veulent regarder du Fortnite. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche et en mettant le code Raterian dans la boutique Fortnite. Sur ce, attends, dis quoi pour quoi? Tu vas refaire un live? Ouais, demain. Sur ce, c'était Yarox. Je vous kiffe, vous êtes les meilleurs. Merci à tous. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Venir sur mes réseaux, Insta, Twitter, dans ma bio. Et sur ce, peace. Vous êtes vraiment les boss, les refs. Merci à tous d'être là.